Bon, on est sur nous. le funiculaire. Ah putain. Ah, tournicotique, tournicoton, hein. Qu'est-ce que tu fais, Page? Tu vas creuser, ok. La recherche va avancer 5 fois plus vite si c'est Brick qui l'a fait. C'est sympathique, mais ça sert à rien. Patience et brave qui se touche la bite. Non, mais patience est en train d'aller chez le psy. Alors, c'est Concrète qui fait la psy. Elle a 8 ans. Je pense que votre surmoi est clairement en train de prendre le contrôle de votre ça, et le ça se bat contre eux. Vous devez libérer vos pulsions, madame. Oui, vraiment. Vraiment, vraiment. Ça veut dire que ça fait plus de 100 ans que mon oncle m'a fait ces choses-là. Mais merci de m'en être sorti, pas Concrète. Merci pour tes conseils. Oui, patata, patience. Je peux aller jouer maintenant? Parce que je rappelle, Patience, elle a 76 ans en vrai. Bon, alors, bisque. Oh, vous êtes prêts. Long Range Mineral Scanner. Ground Penetrating Scanner. Transport pas, multi-invitel moniteur, blablabla. Loudspeaker, lightball. Maintenant, on peut les mettre sur la table, je crois. Non, toujours pas. C'est pas modé, ça. Non. Non, on n'a pas le droit. Ok, je pensais avoir mis le mode, mais non. Moon Rocket. Lecterne, Marie Espace. Cliff Assistant, Corée Plateforme, Launchpad, Drums. Petrumi qui a un point de minage. Quoi faire, un plastadrine, E-Train. Blablabla. Fermenting barrel et biofuel. Ça aussi, faire de la bière, il va falloir. Il va falloir, putain. Faire de la bière, quelque chose de bien. Nanotech, j'ai toujours rien. Security, on n'a pas mieux. Ça, c'est les sols, donc on s'en fout. Rimkia, ça, c'est pour la déco, donc on s'en fout. Imperial Mist, pas plus. Imperial Thermal Drill, je sais plus à quoi ça sert. D'accord, ça fait un thermal vent, ok. Voilà. Landing zone, blueprints, on s'en fout. Alors, grande question. Grande question. Oh,
2000 sievers, 700 styles, 45 gold, 12 composants. D'accord. Il pète, mais il peut faire des allers-retours. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou, ça, c'est fou. Le fait qu'il puisse faire des allers-retours, on va pouvoir faire des missions en deep plunge, si tu veux. C'est risqué, mais pas autant que ça l'était. Impérial Misk. Je cherche. En fait, comment on fait pour faire de la reconstruction chirurgicale ? Confort 0,95. Ah, c'est de la merde. Parce qu'il est en style. Si je vais en bois, on n'a pas de bois. Oh, en aluminium, c'est ouf apparemment. En cuivre ? Cuivre, c'est bien aussi. Un adamantium ? Non, c'est moins efficace. En or ? Oh. Alors la question, c'est donc comment je fais pour prévoir de la chirurgie reconstructrice ? À moins qu'on n'a pas fini la recherche. On a fini la recherche de la chirurgie reconstructrice, je crois. Fais voir. Biosculpting. Ah, il faut un biosculpteur pod. Ok, je vois. Biosculpteur pod, très bien. Ok. Ah oui, d'accord, donc c'est le pod de c'est, d'accord, c'est le truc à nanofluide de Dragon Ball Z, en fait. Ah ouais. C'est le pod dedans, il y a Goku, en fait. Zarma, c'est Stylax. On peut faire une annexe. On augmente la taille du laboratoire de Singed. Singed did nothing wrong. Let's go. Singed Victor and Silco did nothing wrong. Fight me. Ouais, j'ai fini Arcane. Et le pire perso, c'est Armordinger. Armordinger, plus connu sous le nom de les PDA, c'est la Shoah, si tu veux. Le transhumanisme, c'est le nazisme. Les chaussures, c'est impur. La technologie, c'est l'hérésie. Zarma commence à pisse. On aurait pu s'installer dans le temple en vrai, hein. Ça aurait sans doute été plus confortable que Shtouiland, là. Vendeur Alpha Chad. Ah, mais Vendeur, c'était le Congolais avant l'heure, si tu veux. Moi, ça me fait marrer. Hein. Comme je disais hier, t'as Heimerdinger. Regardez, professeur, nous avons inventé un gant qui aidera les mineurs à transporter des charges lourdes. Oui! Donnez-lui 130 ans et mettez-y des crans de sûreté comme un biocode, une analyse sanguine et 3 tests Covid pour pouvoir lever un petit doigt et on en rediscute, les enfants. Meanwhile, 20 ans plus tôt, Vendeur, qui a deux vieux bouts de cuivre
attaché au bout du slip, tu vois. Genre, il prend deux lampes à huile, il les met au bout de ses mains. Et il met des patatas plus puissantes que, que V quand elle est équipée des gants de mineur. Hein. Voilà. J'ai envie de dire, Vander, c'était le Camerounais. C'est le prof Camerounais, celui-là. Tu ne me tutoies pas. Bouc. Tu vois. Et là... Et Vander, il a aucune limite. Par contre, t'as dû kiffer la mère Sigma de la conseillère, non? Bah, autant la conseillère, la mère de la conseillère, bon, bah ouais. Autant la manière dont les autres la traitent, j'ai pas compris. Par contre, j'avoue, t'arrives à Venise. Madame la conseillère, madame la mère de la conseillère, vous êtes à Venise. Quelle est la première chose que vous voulez faire? Apportez-moi un fuckboy. Salut mon mignon, t'as l'âge, la taille et le physique de ma fille. On va voir si t'as une plus grosse bite qu'elle. On se voit demain pour la réunion. Voilà, c'est ça. Et le lendemain, t'es là, ça s'est bien passé votre nuit au 5 étoiles hôtel? Ouais, la mienne était plus grosse. Bref, voilà quoi. Il y a la pression quand même. Disons que l'empire qu'elle représente a des bateaux qui font la taille de cathédrale, ça calme un peu. Ça ne vaut rien, les Nirif. Tu peux avoir tous les tanks, toutes les armées, tu peux avoir tout ce que tu veux. Si tu te bats contre une force ennemie qui peut téléporter ses forces armées, tu ne peux rien faire. Il se passe un truc qui s'appelle des Afghans face à des Russes. En hélicoptère Apache, tu vois. Pas en Apache, mais voilà. En Inde, tu vois. En Indé. Et le seul moment où les Afghans ils peuvent se défendre, c'est quand les Américains leur filent des lance-roquettes, tu vois. Il n'y a pas de mystère, en fait. On parle quoi? Je suis pas Arcane. Mais là, je faisais une tangente. Bah, TP, il y a des portails, quoi. Suffit de les murer. C'est Fumax. Ça reste Fumax. Sauf si t'as pas d'armée, genre Piltover avec sa milice nulle. Mais elle est Nierif. Jojo le Clodo, alias le tenancier du bar qui était... Un combattant de la liberté camerounaise dans les années 30 qui se battait littéralement avec deux quilles de cuivre. Hein. Deux quilles de cuivre à chaque main vaut toutes les forces armées de Noxus. À lui seul. Yeah. Deux lesbiennes font à elles seules le ménage dans une base de contrebande de shit. Hein. Donc à un moment... C'est pas une question d'avoir une force armée, c'est une question d'avoir les bonnes personnes. Tu vois, c'est comme Jack, regarde-le. Question d'avoir les bonnes personnes. Ah ouais, la série que j'ai pas vue, basée sur un jeu auquel je joue pas, avec des persos trop nombreux, un vocabulaire de genre incompréhensible. Ok, j'ai 40 piges, très sincèrement, si je puis. Hein. J'ai été très agréablement surpris. Absolument zéro besoin d'avoir la moindre connaissance en lore ou autre. C'est complètement user-friendly. J'ajouterais même que les connaissances en lore te desservent parce qu'ils redconnent des tas de trucs et toi t'es là, putain, mais je me souvenais pas que c'était pas ça, c'est pour ça. Donc honnêtement, it's ok. C'est une histoire, ça se raconte, ça se regarde. Honnêtement, je comment dire ce n'est pas mon enfance, tu vois. Moi, ça restera toujours le chevet du Zodiac et des BZ. Mais si les gamins, ils ont grandi en m'attendant ça, je hausse les épaules et je me dis, it's ok. C'est... Vu ta critique. Ah non, non, non. C'est pas une critique. Non, parce que là, je pute sur les personnages qui méritent sur lesquels on pute. Mais il y a des persos. Voilà, Singed.
did nothing wrong. Victor, nothing wrong. Silco, nothing wrong. Bob qui croit avoir compris lors de l'heure qu'il a découvert il y a 3 semaines que la faille de l'invocateur n'existait pas. Oui, mais au tout début, ça existait, les Nirifs. C'était même le point central du lore, si tu veux. Ce que je trouvais intéressant, moi. The Skip, très bien. As Military Potential, intéressant. Juste, Wake Up Production. Fonction Wake Up, pourquoi pas, on en manquera, mais c'est quelque chose qu'on peut rechercher plus tard. Plastil, hein. Plastil. Ça me fait chier, mais... Mon faction Tech Level est industrial. Comment je fais pour passer aux factions Tech Level Spacer? J'en ai marre, je fais plein de recherches et autres, et... Oh well... Ça drille tellement fort. Et dire que c'est de la céramite, hein, ça a 4000 de PV, hein, le truc. Hein. Super, des composants, ça c'est cool aussi. Eh ben, ils auront vécu une petite semaine en mode c'est le taf. C'est pas fun, mais fun comme le jour. Fun comme l'amour. Ah, bien, très bien. Samira, c'est une Noxienne qui est tellement tête purée qu'elle a fait elle seule des missions suicides et les a réussies à chaque fois. Bah, honnêtement, moi je la respecte parce que vu la tête du fuckboy qu'elle s'est tapée, personnellement, si elle a fait ça sans capote, moi je considère que c'est une mission suicide. Hein. C'est pas Samira, tant pis. Le seul truc qui a été raté, vraiment, hein, c'est la relation Caitlyn-V. Hein. Ça, ils se sont chiés dessus. Hein. Mais Bob, les lesbiennes ne sont pas à l'écran juste pour ton plaisir. Mais si, si fait. S'il vous plaît, laissez-moi avoir ça. Sinon, moi, je réponds, hein, aux lesbiennes, mais la civilisation, elle s'est pas faite sur le dos des hétéros pour votre plaisir. So, I have a trade offer. I offer civilization, you offer, in exchange of, lesbian shower sex scenes. Thank you. Who knows? As a lesbian, you might even enjoy it. En tant que lesbienne, ça pourrait aussi te plaire. Eh. Écoute. Moi, mon offre, elle est au pain complet. Hein. Je sais pas ce qui vous manque. Hein. Super. Vindicar Armor.
Et ça vaut quoi la Vanicar Armor? 92, 92, plus 50 de move speed, c'est bien ça. Middle and outer aussi. Hein. C'est une bonne armure, qui n'est pas forcément une armure qui est trop trop vénère. 92 de sharp, c'est pas de la merde. Hein. Et le fusil Exitus, 38, 51 de range. Jesus Christ! Oh, 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 oh. Et le casque Vandikar, plus 2 shooting accuracy, ouais, c'est fort. C'est fort ça aussi. Écoute. Jesus Christ, pourquoi? Muda. Qu'est-ce qui se passe? Qui est blessé? Une seconde. Servitrice qui est blessée. Fuck! Caravane détectée. Dans 2,4 jours, une caravane des anciens arrivera dans la zone. On s'en bat les couilles.
Est-ce que tu peux... Ouais, d'accord. Où est-ce qu'il va? Ah. L'ours voulait juste dormir dans la drogue, mais nique-le! Voilà, tu vas t'en sortir, t'inquiète. T'es caté, t'as mal, c'est ok. Je suis en train de faire rapidement le tour. Je me dis que en termes de matériaux, on est pas mal là. Hein. Là, il y a encore un peu de métal, mais. Apt, elle est en train de péter doucement un câble. Pourquoi? D'accord, parce que tu le vis mal, c'est tout. Ok, je vois. Excellent. Manger ça va te distraire. Tu vas te sentir mieux. Tu vas halluciner sec, mais tu vas te sentir mieux. Voilà. Là, on a une belle grosse veine, là, une belle grosse veine bleue quand même. Je suis content. Ok, très bien. Tu manges ton pemmican. J'avoue que c'est un peu rude hein, les 4-5 jours qu'ils ont passé. En plus, il a fait que pleuvoir, quoi. Mais rentable. Hein. Encore 2 jours avant que les ennemis arrivent. Pff, on est sec, mon gars. Regarde à ce compte-là. Hop. Une ligne droite. Hein. Ok. Voilà, je crois que c'était la dernière goutte de minerai. Ah, il en reste encore un peu. La dernière goutte de minerai qui traînait encore, encore vaguement, si tu veux.
Pain, 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 pain. Pain, 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 pain. Ça va tellement vite. C'est 4000 points de vie la céramique. 4000 points de vie et elle tombe mais comme du miel, regarde ça. Voilà, on s'assure qu'il n'y a rien derrière. Ah, ok, c'est bon. Ok, on va pouvoir se casser. Goûte. Excellent, 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 excellent. Yoshi, 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 Yoshi. Reforme caravane, oh, demi-tour. Alors, ouais, on prend tout le monde. Item, on prend tout. Ouh, tout ce style. Les cubes de sandblock, on s'en fout. Céramite, on veut tout. Les urnes, on les veut. Morceaux d'acier, non. Les lanceurs morts, oui. Les ours, pourquoi pas. Le bois, on prend tout. L'aluminium, on prend tout. Le cuivre, on prend tout. L'or, on prend tout. Tout le matos de camping, on le prend. Super. Ok, seul truc qu'on lâche, c'est la table. Tout le reste, on prend la bouffe. Voilà, hop, on est un peu chargé, je l'avoue. Et voilà! Serviteur XB3, t'es encore un rebelle, toi, hein? Toujours, hein? Toujours, toujours. Ah, tu t'es battu? Tu n'as rien. Très bien. Putain, cette cuisine. Cette cuisine est là. Good. Spacer Electronics, très bien. La recherche avance. Ça pourrait être utile, ça aussi. Attends, avant ça. Ok. Y a un furie dans la colonie. C'est pas un furie, c'est un animal. Et il est traité et c'est un animal, littéralement. On a une fox. Ça fait partie de la race des fox girls. Et il y a un fox girl male et un fox girl female.
7500, hein, ce générateur géothermique avancé. Il est d'une efficacité folle, mais... Binge party. Très bien. Fidèle a commencé une binge party où les gens ils vont se gaver de bouffe. Pourquoi pas? En revanche, endurance. Est-ce que tu peux nourrir au sein? Voilà. Sinon, il y a des hommes ours qui se promènent chez nous. Pourquoi pas? C'est quoi? Je suis. Je ne m'y oppose plus. Non, mais à ce compte-là, tu vois, moi, j'ai arrêté de me battre. Pourquoi ce Heavy Bolter a-t-il été détruit? Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas subi d'attaque. Et ça, je suis plutôt content. Hein. Cyclone est motivé et peut dompter n'importe quelle créature. Malheureusement, il n'y a aucune créature qui est intéressante. Ils sont en train de rentrer, mais ça prend du temps, bien sûr. Ça recherche dur. Hein. Ça cogite. Alors, en attendant... bon... Prépare un nouvel lieu de culte, si. Hein. C'est pour ça qu'il va falloir miner un peu ouf. Hein. Un beau lieu de culte comme ça. Enfoui au fond de la montagne. Parce qu'après tout, le lieu de culte, on s'en sert pas si souvent, si tu veux. On s'en sert pas si souvent, donc de fait... Non, je veux libérer cet espace et en faire peut-être autre chose, d'autres pièces, tu vois. Thank you.
Vraiment se faire un copier-coller? Non, 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 t'es ouf. On a encore plein de place pour s'expandre là aussi. Hein. On peut encore largement faire un couloir et mettre des trucs de base ici ou quoi que ce soit. Virer ça et adapter. On pourra réadapter cette zone. Mais honnêtement, je me dis que le lieu de culte... J'aime l'idée de le caler ici, si tu veux. Sans poteau, c'est 12 sur 12, d'accord. Bon, 10 sur 12, il n'y a que c'est safe en vrai. Très bien ça. Très bien ça. Pas assez de lits d'invités. Bah les couilles. Ça mine. Plus 5%. Ok, bah c'est ça les beaux. Très bien ça. Très bien ça. Je vais lui mettre un petit œil nocturne qui permet qui lui permet de voir durant la nuit. Et je vais lui mettre un auxiliary AI mineur, c'est-à-dire il aura littéralement une voix dans sa tête robotique qui lui dira comment miner le plus efficacement possible. Colossal Aéroflit.
Ça a quelque chose d'intéressant, ces trucs ? Parce que là, ça lève d'épée, oui. La violence ! Non. Bon, bah, laissez-les faire. Ils sont moches, ces Pokémon, c'est ouf. Enfin, c'est tout. Où on en est ? Putain, on y est presque. Allez, courage, les mecs. C'est bientôt rentré. Je pense qu'après ça, on va penser très sincèrement à l'introduction d'un nouveau citoyen parmi nous. Alors, eux deux, c'est des esclaves, c'est déterminé. Lui, c'est trop récent. Parmi ces trois-là, ou même page 3, ou même page 4, hein, page 3 et page 4, elles ont prouvé hein, qu'elles étaient dignes. Hein. Quelque part, c'est des femmes, elles étaient des enfants, puis elles sont devenues des adultes, puis... alors, elle a 15 ans, c'est peut-être un peu tôt. Elle a combien ? On ne sait pas, pas tant qu'on n'y est pas, très bien. Allez-y, entrez au Kingdom. Mais non, pas page comme un livre, bande de débiles. Page comme un écuyer. Production, on va enfin avoir une biofuel raffinerie avec de quoi mettre de l'huile, voire des hydroponics, si on avait l'énergie et... Des Utoué nous attaquent et nous demandent une close nanosuit. Alors, ils ont l'air énervés, hein. En position tout le monde. Feu à volonté. Ouah la vache! Ils sont eu aptes. C'est pas grave. Mais butez-le au fait. Oui, par pitié. Toi, voilà, tu t'en sortiras pas. Bon, pas de panique. Le corps est encore frais. Le corps est encore frais. On verra ce qu'on abandonnera après. On récupère tout d'abord. On abandonne les urnes. Abandonne les... Non, ça c'est bon. La table, tant pis. Le brasier, tant pis. Woodpile, on la pose. Steel Dining Chair, on les garde. Planeteer Shooting Target, on la garde. Quoique, ouais non, on la garde. Steel Artillery Gun, on le garde. Grizzly Bear, on les abandonne. Lancer dead, on les abandonne. Apt, on la récupère. Les cadavres de ces enculés, on verra plus tard. Le bois, on le laisse tomber. Aluminium, on le garde. Copper, on garde tout. Jackhammer, on le prend. On prend toutes leurs armes de fumier. On fera tout fondre. Ghost Helm, non, on s'en fout. Les gants, on prend tous ces fringues. Les offres, on garde la cape, on la garde. Buffalo Wool, nano suite, on la garde. Garde sa robe. Et on a dépassé la masse de une vingtaine de kilos. Bon, c'est facile à régler ça. Alors, on va abandonner un peu de métal. Ok. Ah, du coup, on a abandonné la bouffe aussi. Bah, attends, garde ça.
Ah, elle a été pulvérisée. Mais it's ok. It's ok, it's ok. Les gens s'attendent à un flou de Burial pour Apt. Pas de panique, on a mieux. Du coup, ça, c'est pas prêt, ça. Oh well. Voilà, on est arrivé. Qui a le corps de la petite ? Ah, elle l'a. Ok. En espérant qu'elle soit dans un état pas trop dégueulasse. Comment elle est morte au fait ? Ah, elle a plus d'estomac, il va falloir lui en mettre un. Et son torse, elle a une brûlure de ouf. Putain, elle s'est fait zap, mon gars. Allez, debout, puce. Sans effet secondaire, s'il te plaît. Ouais. Maladie de la résurrection. Ouais, forcément, ouais. Et elle a pas d'effet secondaire ? Elle a pas d'effet secondaire ! Est-ce que tu as vu le paradis des nains ? Pouh la vache et...
Ok. Eh ben, c'était calculé, on est d'accord. Bah, il aurait pu se passer des trucs. Son estomac repoussait aussi, c'est la bonne nouvelle, ça. À mon avis, il va lui falloir un petit bout de temps, un temps d'adaptation, disons. Eh ben, quand même, à 15 ans, elle est morte, hein. J'imagine que pour elle, l'expérience, ça doit être peu plaisante. Fou ! Bon. Excellent. Celle qui est morte, c'est pas celle qui a le trait impérial à Startest, non, je crois que c'est page 3 qui a ça. Ouais, c'est ça, qui est polyamoureuse, avec un estomac d'acier et qui est forte. C'est vrai que Malléable, on pourrait la renommer Malléus. Mais elle a 15 ans. Faudrait au moins qu'elle en ait 16. Hein. Ah, le rendu terminé, elle retourne bosser. Ouais. Faudrait au moins qu'elle en ait 16. Hein. Qu'est-ce qu'on en pense? On intronise Argile et Catherine. Enfin, pardon, Malléable et Catherine. En plus, on lui donnerait un nom. Grand Baker, Fisherman, Optimiste. Quoi qu'elle, ses stats, c'est un peu de la merde. Hein. Quoique Meaning, ce sera utile bientôt. Hein. Je pense qu'il est temps d'introniser les deux enfants. Hein. En plus, elle a 17 ans. Il est temps qu'elle ait des enfants d'elle-même via Jack. Et on vient de développer la Power Armor de Sororitas aussi. Donc... Ça fait 6 ans qu'elles sont esclaves. Ouais, mais ça leur apprend la vie un peu. C'est bien.
Ok. Pas mal, pas mal. Hein. Et si je voulais faire un launchpad de vaisseaux spatiaux, mais vous avez raison, hein, peut-être qu'une école, ce serait plus smart. Hein. Il se casse, très bien. Montage, Bob, t'as raison. C'est vrai, pour la croissance, c'est complexe. Ouais, je suis d'accord. Attends une seconde, hop. Pauvre apte, elle est à poil, mais qu'est-ce qu'elle a pris? Ok, d'accord. Bon, elle va s'en remettre, ça c'est la bonne nouvelle. En plus, regarde, la construction du lieu est finie, là. Voilà. Voilà, excellent. On reconnecte. Du coup, la connexion, elle est mieux. Elle est moins dégueulasse. Ça devrait le faire, ok. Voilà. Excellent, excellent. Excellent.
Ok. Très bien. Oui, Apter, venu à la vie, c'est bon. Qu'elle fait. Ah, elle est en train de lui installer, d'accord. Elle est en train de lui installer l'œil qui lui permettra de voir dans la nuit. Excellent. Voilà. Voilà. Parfait, eux ils creusent ça. Même tous les power tools ont été abandonnés. Ok. Okay. Et eux ils creusent ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On adapte, on réadapte. Accessoirement, on a de quoi maintenant... il va falloir penser à ça aussi. On a de quoi maintenant caler un biosculpteur pod. Le glorp glorp de Dragon Ball Z, mon gars. Activité sleeping, c'est ça, travail. T'es blessé comment, au fait? Oh, t'as eu une coupure à la mâchoire, une coupure au pied droit. Mouais. Arrête de faire ta salope et travaille. Qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi tu pleures? Elle te donne du nichon. Bois du nichon. C'est du lait d'Afrique. Deviens forte. Pas vrai ça. Pourquoi c'est toi qui travailles dessus? Brick? Brick? Brick! Merci, ça avance, ok. Dieu merci, enfin. Épuisement, Jack. Jack, t'as pas le temps d'être épuisé, mange un wake up. Excellent. Pas d'effet secondaire en plus. Regarde le...
Voilà, c'est mieux là déjà. Ah, il est que quel serviteur à côté. Le serviteur il bosse. Meanwhile, t'as Jack-Jack. Enfin, t'as Jack qui est épuisé, qui dort debout. Genre qu'à ça, il croque deux pilules. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu veux que je te resserre la sangle? Little King John, what are you doing here? Hello, happy man. There is nothing to fear. I have come here to confiscate your factory. This entire facility now belongs to me. What a magnificent day for Little King John. Let us lift up our voices in the magic of song. Moon rocks. I just love moon rocks. Beautiful moon rocks. In the pipes, going into the machines. Moon rocks. How I love moon rocks. And the moon rocks love me. I just know it. Yes, they do. But Little King John, just stop right there. You can't take my factory, that is not fair. I paid for this land and all of this stuff. To that happy man, I say that is just tough. Now don't interrupt me, I'm singing a song. This place is now mine, so go run along. With my moon rocks, I can make erasers. There are many things that need to be erased. With my new factory, I can make yellow cheese. I can also make bars of soap so I can be clean. But I built this place with my own two hands. This miscarriage of justice cannot stand. And you built this place with consummate skill. But I am Little King John, and I'll take what I will. This is mine. This is mine. This is mine. This is mine too. This is mine. This is mine too. This is mine. This is mine. This is mine. This is mine too. This is mine. This is mine too. This is mine. This is mine. Alors là, c'est la guerre, gars. Et j'arrive au milieu, hein. Oui, je vais faire le montage. Arrêtez, laissez-moi attaquer une base, faites-moi plaisir. Space Marines! Book! Book dans la colonne. Mmh.
À la perceuse. Les vaches. Au bolter. Il reste une pute. Voyons voir. Excentrique. Ok, pourquoi pas. Elle préfère la nuit. Hétérosexuelle. Elle aime beaucoup les animaux. Hein. Bon. Et ben là, c'est en mode... Voilà, c'est en mode... T'es rien qu'un bout de viande paisible. Voilà. Déjà, tu lui enlèves ses vêtements. Yoink! Pas de médicaments! À la torche! Elle sera biosculptée pour le plaisir. Une femme swagway en tronc. Ouais, j'avoue. Terrible. En tout cas, cette petite arrivée d'un Space Marines qui est arrivé comme ça en plein milieu de leur campement, ça leur a quand même fait un peu drôle. Hein. Oh, c'est bien cet endroit en fait. Allez. Allez. Allez, tu viens. Pour l'instant, t'es rien qu'un bout de viande, mais t'en fais pas. Little King John sera trente baisable. Trop violent.
trop. Ah, mais c'était ça leur campement. Putain, c'est honteux. J'espère qu'ils se rendent compte que c'est honteux quand même. Ouais, qu'il y a rien en fait. Ouais, d'accord. Bob don't? Bob yes. On a scale of 1 to 10. Yes. Je rapporte des bœufs. Sculpture en marbre. Petit tonneau de vin, comme ça j'ai pas besoin de les faire. C'est pas mal ça. On aime. Petite urne en marbre. Hop, c'est gratuit ça. Tout le reste, on s'en bat les couilles. Le foin, je prends tout en fait. Voilà. Et j'ai pris la chienne. Parfait, excellent. Caveman philosophie. Mec, il repart avec 50 tonneaux de vinasse et une meuf dessus qui est en mode qui est attachée comme ça, à qui il manque un bras. T'as même pas besoin de l'attacher complètement. Elle a juste une cheville attachée au poignet, si tu veux. Le mec, il joue à Death Stranding mais en Space Marine. La technologie est prête pour elle. Nutrition. Ah, ça dure une semaine quand même. D'accord. C'est pas mal. On peut la charger avec du foin. Par contre, comment on fait du coup pour s'en servir, histoire de refaire comment ça s'appelle, les trucs reconstructeurs? D'accord, pour l'instant, c'est pas ça. Il faut qu'on développe la technologie pour faire des comment ça s'appelle ? Il faut qu'on développe la technologie pour faire justement la modification physique, c'est ça ? Non. Où est-ce que c'était? J'étais persuadé qu'il y avait moyen de faire du cosmetic treatment, un truc de fou. Ah, c'est ça, voilà. Ah, c'est ça. Basic Reconstruction. Ugly to pretty. Staggeringly ugly to beautiful. Let's go.
Let's go, mon gars. Reconditioning. D'accord. D'accord, c'est intéressant. Excellent, excellent, excellent. Eh bien, écoute, on pourra rechercher ça, ouais. La reconstruction de base. On va la charcuter, la meuf. Elle va pas comprendre. On va en faire une bio-catin. Elle avait combien? 51 ans? Mon gars. Elle va être forgée pour notre plaisir. Elle va rentrer dans le pot, c'est la reine mère, elle va sortir, c'est Blanche-Neige, si tu veux. Voilà. Excellent. Ça servira à rien, hein, mais moi ça m'amuse. Ok. Qui attend une opération? Servitrice. Pourquoi t'attends une opération? Ah oui, parce que tu as le Black Pearl. Est-ce que tu peux opérer? Merci. Opérer servitrice rapidement. Oui, je vais bosser, calmez-vous. Ah. D'ailleurs, je vais bosser, je vais m'arrêter là-dessus, je pense. Voilà, on va lui mettre l'IA, l'IA auxiliaire de minage. Oui, Jack. Il fait la route, mon gars! Resting using deux sacs de couchage. Ce que ne dit pas Jack, par contre, c'est qu'il prend les deux. En mode, il les a zippés ensemble et l'autre, elle dort au sol comme ça. Il lui manque un bras. Ah, comme ça, il l'a attaché à un arbre. Un pour lui et un pour sa bite. Trop viril. Il a mis les boom blasters de son armure à fond pour empêcher l'autre de dormir. Lui, son casque, il est insonorisé, donc il s'en fout. Voilà. Certes, dominance. La meuf toujours sur le tonneau, elle peut pas descendre. Ah putain. Excusez-moi, c'est juste hilarant. Ouais, très bien. Ça avance, c'est bien. Jack est en train de mourir de faim. Jack. Mange un gâteau. Les cons, Jack aussi. Ça fait des cailloux. Vous savez, depuis le temps, on pourrait y arrêter de faire des cailloux.
Ok. Je sauvegarde. Ça, on peut pas s'en débarrasser. Très bien. Ah, il se passe un truc. Royal Tribute Collector Relationship. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il me veut? J'ai pas lu. Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me veut, ce sac à pute? Ah, voilà. Ils acceptent quelques prisonniers et de l'or que vous offrirez en tribut. Celui qui donnera au-delà du tribut gagnera de l'honneur pour supporter les maisons. Très bien. Trooper Little, c'est l'oncle du coloniste Edouard, le frère de Baby. L'oncle de Jack-Jack, c'est l'oncle de Vistar, d'accord. Et Pangratos, le mari du paysan Fidèle. Fidèle, t'es marié? Ah ouais? Humain de 29 ans, son anniversaire. Il est misogyne, c'est un maître de l'art ivre, et c'est un sac à merde. Il est incapable de social. C'est ton mari. T'es sûr qu'on balance pas une petite ogive? Bon. Moi, je propose, hein, je propose, hein. Et bah, put. Ah, y a Little. Little, par contre, c'est le frère de Bulbul. C'est un artiste. Il a un palais raffiné. Il aime bien changer son corps. C'est un dur. Et il est bisexuel. Bon, et il va voir ses neveux et ses nièces. Ok. You know what? Pour Jack-Jack, c'est son oncle! Bande de débiles! C'est pour ça que Zemmour, il vous veut plus dans les écoles, tu vois. Pour l'amour du Christ. C'est son oncle. Jesus Christ. Ça glisse. Et tu suggérais qu'un gamin, parce qu'il est homosexuel, qu'il aille avec son oncle bisexuel? S'il te plaît, mélange pas les causes et les conséquences. Là, je tape dur. Là, j'avoue, je tape dur. Oh la vache. Oh non. Ah putain. Oh la vache. Ça glisse fort, faut arrêter. Impossible, sa mère n'a pas encore inventé la vaseline. On a du jus de résurrection, s'il te plaît, mais... J'avais pas vu que c'était son oncle. C'était... C'est... That was the... Bon. Putain. Je viens d'arriver et ça commence fort. C'est pas moi. C'est des gens dans le chat qui suggèrent que... Qui suggèrent que... un enfant... Parce qu'il est gay, hein, qu'il est homosexuel, si tu veux, couche avec la première personne homosexuelle qui traîne et qui s'avère être son oncle. Qui est bisexuel en plus. Et misogyne.
et alcoolique et sale. C'est-à-dire, il laisse traîner ses bouteilles et tout, si tu veux. Bon, ça, j'ai pas l'impression que ça marche, en vrai. Hein. Ah non, mais même Hermerdinger, il approuve pas, si tu veux. Les méthodes sont trop anciennes. Même lui, tu vois, ça le choque. Ah, mais Jesus Christ, quoi. Ouais, très bien. Retourne bosser. Ah, fine. You're no fun. C'est dégueulasse comme installation. Ah, mon setup, il est dégueulasse! Qui dégueule? Setup, il est dégueulasse. Hein. Dégueulasse. Allez, montage. Alors, on va faire tous les...